Viens, le capitaine. Viens. Prépare-toi au voyage. Ah, c'est beau, hein. C'est beau en tout cas. On en prend plein la vue. Ah ben, impeccable. Allez, ça y est, nous y sommes. Bien arrivés après 3 ans de route sur ce magnifique barrage. Parti pour une semaine. Les conditions sont au top. On peut pas respirer mieux. Le soleil, bon, on a pas prévu la crème solaire. Et on a une très très belle semaine qui est annoncée. Bon, il y en a eu pas mal de pluie la semaine dernière, donc j'espère que les poissons, ça va les mettre quand même en appétit. Allez, on va manger et puis direction le premier poste. Et puis on verra ce que ça va donner. On croise les doigts. Regardez-le. Capitaine, ça faisait un moment qu'il n'était pas sorti. Non, laisse-le. Hein, Kiki, hein? On refait une croisière? Hein? T'es content, mon capitaine? T'es content? Bah oui, t'es heureux là. Hein? Ça t'avait manqué, hein? On est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Des conditions parfaites pour naviguer. Ah ouais, ça commence bien. J'avais perdu ma crocs. Merci, maman. Allez, c'est parti. La bouffe est prête. Il n'y a plus qu'à aller poser tout ça sous l'œil avisé du capitaine. Ouais. Là, c'est vraiment intéressant. Là, juste après la bouée, ça casse fort. Donc là, on est sur un espèce de plateau au fond. C'est assez sympatoche cette histoire. Là, ça descend en pente douce. Hop, on a passé la bouée. Et là, ça descend légèrement. 6m30, 6m40, et puis après on avance encore et là ça casse fort. Joli petit spot. Avec madame et le capitaine qui sont là-bas. Allez, on va se dépêcher à poser la dernière canne. Le soleil vient de tomber derrière la colline. Ça nous laisse encore une petite demi-heure, trois quarts d'heure. On est vraiment, vraiment bien. Assez reposant. On verra pour la première nuit ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire. Bon, on a constaté quelques sauts de carpe. Ça claque pas mal berge d'en face. Donc, c'est plutôt motivant, c'est plutôt rassurant. Le poisson est dans le secteur. Maintenant, eh bien, il va falloir qu'il mange, qu'il passe à table. Donc, je croise tout ce que je peux pour la première nuit.
madame, elle a pas perdu de temps. Elle a sorti le bed-chair et elle fait bronzette. Et elle a bien raison. Car on est passé à l'automne, mais on a encore des températures estivales. Donc il faut en profiter. Pour le moment, à défaut de faire du poisson, on va savourer le soleil. Oui, mon petit capitaine, t'es content? Oui, t'es content? T'es content, mon capitaine? Oui, on va faire du poisson? Tu crois? Ah, il renifle la bouffe déjà. Toujours à la même heure celui-là, hein. Toujours. Allez, changement de poste imminent. Allez, c'est parti pour le troisième poste. Donc après une deuxième nuit sans succès. Alors malheureusement, on enregistre deux brèmes. Aucune cap pour le moment. Donc changement de poste et en espérant que ça soit enfin bénéfique. C'est pas simple, c'est pas simple l'histoire. Oh, ça vient de remonter juste là, juste devant. Ah, est-ce que les poissons se réveillent? Est-ce que les poissons rentrent sur le coup? Est-ce qu'il faut mettre une nuit de plus? Il faut vraiment rentrer? Ah, l'hésitation est palpable. Thank you.
On va partir. Enfin la première. Enfin la première carpe. Après presque 72 heures. Tiens, regarde, il en reste une. Oh oui. Ça sent bien les scopex. Il est où ? Hein ? Pour monter ? Eh ben, c'est la dernière nuit, donc on donne tout. On baisse pas les bras, on croise les doigts, même si les conditions sont pas avec nous. On va essayer de tout faire pour en faire une, pour sauver les meubles. Oh, il y a un insecte. Il y a un insecte qui s'est pris dans ma bobine. Bobine à scopex. Ils ont bien travaillé, ça sent bien. La petite tiger en pêche très cher. Non, tout pêche, hein. Tout pêche, ça travaille bien. Y a rien à dire là-dessus. Mais le poisson est pas là. Attention, petit capitaine. Moins 1 kilo, 12 kg 9, quasi 13 kg. Et bien voilà, la récompense, elle est là. Après deux changements de poste, le troisième fut payant. Après un petit 48 heures, enfin, une belle biroire bien sombre de ce lac, atypique. Ah, une belle guerrière. Elles font des combats de fou et ce sera goinfré à la scopex sur une robinerette scopex en 24 mm et de la bouillette en amorçage pur sur de la 20 mm scopex. Et ça paye. Oh, je suis content. Et allez, ce beau poisson. Magnifique. Ah, ça fait plaisir. Oh, il a fallu batailler, il a fallu galérer avec des conditions qui n'étaient pas avec nous. Le niveau d'eau qui baisse tous les jours à vue d'œil. Les conditions aussi estivales ne nous aident pas. Et puis la pleine lune. Il n'y a rien qui allait, mais bon, le fichier est là. Le fichier est là, c'est le principal. Allez, on va la remettre à l'eau.
Allez, hein, bon, moi c'est la dernière nuit, hein, on donne tout, on met le paquet, j'espère que ça va donner. Ouais, ça t'est horrifié. Ah, le son de la guerre, c'est le son. Elle fait plaisir celle-là. Une magnifique couleur encore. Bel miroir, bien écaillé. Avec des belles couleurs. Ah, ça fait plaisir. Juste avant de partir. Yes! Je peux vous dire que là, j'y croyais plus du tout. La dernière nuit, petite nuit bonus. Mais au vu de l'activité qu'il y avait cette nuit, avec la super lune des moissons. Ah ben, puis on a mal dormi en plus. On n'a pas très bien dormi et puis à 9h du matin, gros départ. On appelle téléphonique avec Bebe. Il va se reconnaître. Incroyable. Eh ben, impeccable. J'en demandais pas tant au vu des difficultés pour une première sur Slack. J'en demandais pas tant et finalement, bah, deux beaux poissons, deux belles miroirs. Donc là, je suis super content pour une première. C'est top. Elle a perdu la bille. Hop, elle était bien piquée. Bien piquée. Une Robinred Scopex avec une Tiger en montage tricheur. Et ça a payé. Ça a payé. Hop. Attends, bouge pas. On va mouiller un peu. Toujours mouiller les poissons. Très important. C'est le plus important. Voilà. Et là, la bouillette. Voilà. Elle sent bon. Elle sent bon. Allez, mets-toi devant. Et voilà. La petite dernière nuit, la nuit bonus. Je vous remercie, madame. Hein, parce que sans elle, ce poisson il aurait jamais été là. Donc la petite nuit bonus. Bon, malheureusement elle a rien donné. Hein. Ça s'est passé tout à 9h du matin. Il a fallu attendre 9h du matin pour que cette petite guerrière vienne nous rejoindre. Un sublime poisson plein de muscles qui fournit des super combats. Ça par contre, ça c'est plaisant. Regardez cette beauté, cette couleur sublime. Donc là, sur un amorçage de bouillette pure coupée en deux, tuna fruity, 4 fantastiques et Robinred Scopex, surtout beaucoup de Robinred Scopex, et ça marche du feu de dieu sur une hêche en 24 mm
de Robinred Scopex avec une Tiger en montage tricheur. Et ça paye. Les deux poissons ont été capturés de cette manière-là. Super content. Ah, je suis refait. Une session très difficile et qui me récompense de deux superbes miroirs. Je suis vraiment content. Allez, on va la remettre à l'eau. Ah, c'est que ça descend à pic. On va peut-être pas aller dans l'eau cette fois-ci. Mais on va l'accompagner un petit peu. Allez, ma belle. Ah, très beau poisson. Hein, capitaine? Regarde. Regarde. Ah là là, c'est parti. Yes. Au revoir, ma belle. Ah, génial. Génial. Yes. Oh là 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 là. Un poisson ? Un défi d'artère. Un peu de... Oh, quel cadeau ! Là, ça va que c'est du sable. Hein. Ça a l'air d'être vraiment du sable, on voit, parce que s'il y a de la roche, il vaut mieux prendre le bateau. Et là, ça a l'air d'être assez propre. La matière en respect. En surface. Hop, gros sol. Je remouille, je redesserre tout. Ah, il y a des coups de tête. Oh, une belle miroir. Une belle miroir. Très belle miroir. Oh là là, je vais pas commencer plus là. Oh là là, comment elle a fait? Ah, il vient pas quand on a fait. C'est ça les poissons. Ah, non, elle est pas prête. Ah, je l'ai manqué. Ah, elle s'est remise comme il faut. Très très belle miroir. Ah, elle a une belle couleur. Allez, hop, et c'est fait. Yes, yes. Ah, ça fait plaisir. Ah, elle est belle celle-là. Je crois que c'est la plus grosse de la session. Ah oui, regardez, on a un gros poisson là. Waouh. Quasi 20 kg, on enlève 20 kg. Allez, attends, ça stabilise. Elle a 19,9, 18 kg 900. Donc c'est important, toujours bien hydraté. C'est comme avec maman, toujours. Allez, parti.
C'est fait les gaziers. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de finir une belle session comme ça, qui était vraiment mal partie. Donc en persévérant, en ne baissant pas les bras, en grattant, on finit par être récompensé et puis. Voir le Graal dans les toutes dernières minutes, parce qu'on était en train de plier, donc ce poisson n'aurait aussi pu ne pas le faire. Donc c'est vraiment plaisant de finir des sessions comme ça, alors qu'elle démarrait très très mal. Les conditions ne sont pas avec nous, très 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 peu d'activité, quelques sauts de carpe pour enregistrer, mais vraiment c'est pas énervé. Donc non, ça fait plaisir pour une première sur ce lieu, mettre la barre tout de suite haute comme ça, ça fait du bien. Alors bien sûr qu'il y a d'autres beaux poissons et plus gros, et qu'on ira chercher dans une prochaine aventure, prochaine session. Donc restez connectés, et si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine session. Il est posé, lui. Hein. Ah, il est là, le capitaine, il est là. Hein ? Le t-shirt, tout ça. Ah, mais c'est bon. Ça a été poissonneux. Tu sais qu'on va en face. Ah, mais je tourne. Hein? Je tourne. Et le petit plaisir, voilà, le petit rituel après une bonne session. Un petit McDo, ça fait du bien. Du coup,
Ça, c'est l'aboutissement du devoir accompli. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.